Depuis dimanche dernier, les chrétiens catholiques ont entamé la semaine sainte qui débouche sur la célébration de la Pâque, la fête la plus importante du calendrier chrétien puisqu'elle marque la résurrection du Christ après sa crucifixion et reste le fondement de la foi chrétienne. La célébration pascale signifie pour nous chrétiens et pour moi spécialement notre salut. Parce que c'est par la Pâque que le Christ est ressuscité. Et quand on parle de la Pâque, on ne peut pas parler de la Pâque sans penser au Vendredi Saint. Parce que c'est le Vendredi Saint que le Christ a été crucifié sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Donc la Pâque, c'est le jour de la résurrection du Christ. Et si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Donc c'est grâce à cette résurrection que nous, en tant que chrétiens, nous avions compris et nous avons foi que au dernier jour, nous aussi, nous ressusciterons avec le Christ. Donc, en temps normal, en tant que chrétien, la Pâque est la plus grande fête pour tout chrétien. Pâque, c'est une grande joie pour tout chrétien, pour moi. La fête de la Pâque, pour moi, c'est le centre de la foi chrétienne. C'est le passage de la mort à la vie. Donc, c'est une fête qui nous rappelle que nous sommes par la passion du Christ, nous sommes morts, que notre être spirituel est mort et que par sa résurrection, nous avons une restauration en lui. Alors non, la fête pascale, c'est la fête de notre régénération, disons ça comme ça, en Jésus-Christ, parce qu'il a souffert la passion, la mort, et il est ressuscité pour nous donner la possibilité de croire qu'au terme de notre existence, nous aussi nous allons entrer dans la plénitude de vie dont il est la source et le fondement. Ce qui fait qu'à partir de la fête de Pâques, qui est le fondement de la foi chrétienne, les chrétiens redécouvrent leur identité de fils, dans le Fils Jésus-Christ, donc qui est mort pour nous. Et donc on peut considérer la résurrection du Christ comme non seulement la source de la foi de l'Église, mais en même temps comme le nouveau départ pour tous les chrétiens qui auront vécu ce temps de la semaine sainte dans la préparation de leur cœur et de leur esprit à l'acquisition, à la réception des grâces de Dieu. Une phrase, je dirais, la Pâque, c'est en fait la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Quel est le sens de la Pâque dans la foi chrétienne et pourquoi doit-on la célébrer? Le père Nathanaël Soudé nous en donne la quintessence. Pâque, c'est une grâce. L'homme a toujours besoin d'être libéré. Regardez nos familles, regardez nos pays. On a besoin d'être libéré du mal, de la division, des conflits, de toutes les formes d'oppression. Donc cette fête est instituée pour que d'année en année, Dieu renouvelle pour nous les merveilles qu'il a faites en donnant à son fils de vaincre la mort. Maintenant, il nous revient à nous de nous mettre dans les conditions pour mériter cela. Donc la fête est célébrée pour qu'on actualise les grâces que Jésus-Christ a acquises en livrant sa vie pour nous jusqu'à mourir et à sortir de la mort. D'abord, la fête de Pâques commence par le temps du jeûne. 40 jours. C'est vrai que le jeûne catholique ou chrétien, le jeûne chrétien tout court, moi, donne beaucoup de souplesse, beaucoup de largesse parce qu'on veut rappeler que le vrai jeûne, c'est l'homme qui ne se contente pas de se priver de nourriture, mais de se priver de faire du mal, de purifier son cœur. Donc l'Église met fortement l'accent sur la liberté. L'homme qui doit accepter de faire le vrai jeûne. Cela fait que, bon, on n'est pas trop rigoureux pour la nourriture dont on peut se priver sans vouloir se priver de faire le mal. Mais on demande au moins que tout au moins, au début du carême, le mercredi saint, le vendredi saint, on fasse le jeûne. Ou, si l'on ne peut pas, que l'on fasse des mortifications très très fortes qui nous demandent de nous priver de ce qui peut nous empêcher de nous mettre dans la voie de Dieu. Ce qui peut nous empêcher de laisser notre cœur être purifié par les grâces de Pâques. Donc il y a d'abord le carême qui dure. Tant de partage, de réconciliation, de justice et de paix. Mais il y a la semaine sainte qui commence une semaine avant Pâques, où l'on nous dit, nous nous rapprochons du grand moment de Pâques. Il faut que nous puissions faire tout pour être saints, pour laisser nos corps purifiés. Parce que vont venir les jours de notre salut qui sont des jours saints. Et à partir du jeudi saint, nous commençons à appeler le Triduum, c'est-à-dire trois jours qui sont sacrés et à travers lesquels nous voyons que Dieu et notre libérateur Jésus-Christ. D'abord, le jeudi, jeudi saint, Jésus-Christ a mangé avec les apôtres. Et puis là, il a institué les prêtres, les évêques et les prêtres pour continuer son œuvre de salut. Il a lavé les pieds
aux apôtres, lui qui est Dieu, pour dire que ce qui tue le monde, ce sont les péchés, ce sont les formes de pouvoir que nous exerçons, sur nous-mêmes, dans nos familles, dans nos états et dans le monde. Et le vent de Dieu Saint, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est le grand jour. Et vous allez voir, partout dans le monde entier, les chemins des croix ou les célébrations attirent beaucoup de chrétiens. Et ça encore, c'est plus fort que nous. Même des gens qui ne viennent pas à l'église, ceux qui viennent très peu le vent de Dieu Saint, la force les prend parce que c'est trop fort. Dieu est mort pour nous, nous pouvons pour nous pas réagir et aller vers lui. Et le vent de Dieu Saint, donc, c'est tout ce mouvement pour aller auprès de Dieu, prier, demander pardon pour nos péchés. Le samedi, c'est dans la nuit qu'on commence la célébration pour dire que Jésus-Christ est mort. La nuit de la mort, la nuit de nos vies, la nuit de tout ce qui nous opprime et ternit nos vies, cette nuit a connu la traversée d'une lumière. Donc le passage maintenant, c'est la lumière qui va passer à travers la nuit du samedi saint pour que nous voyions Jésus-Christ qui est ressuscité le matin du bonheur. Après le rappel des différentes étapes de la célébration pascale, le Père finit ses propos en présentant ses vœux à tous, tout en insistant sur le maintien de la paix que prône cette célébration. Donc, je vous fais de fête de Pâques à vous, surtout pour que nous puissions, dans tous nos rassemblements, contribuer à ce qu'il y ait plus de paix, de justice et surtout de réconciliation pour que nous puissions faire de nouvelles traversées pour la paix chez nous et ailleurs.